Mais je suis choquée. Hi babies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur un vlog vraiment peace, cozy, genre rest at home. C'est vraiment le mood de la vidéo. Et puis aussi, on va un petit peu regagner en énergie pour le reste de la semaine. Voilà, après cet après-midi, j'ai un petit shooting photo de prévu pour Instagram. Donc voilà, déjà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, encore une fois, allez le faire, chloé.bnhr, je vous le mets quelque part sur l'écran. Allez me suivre sur Instagram, ok? Sinon, bienvenue au nouveau, bienvenue sur cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours, je suis trop contente. Franchement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, c'est le plus important, I think so. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour la référencier, pour qu'on puisse discuter vous et moi. La télé, c'est vraiment pas le moment de parler trop fort. On est parti pour cette vidéo. Donc au programme du jour ce matin, c'est ménage à fond parce que chez moi, it's a mess. Okay. C'est vraiment un mess total. Donc là, je vais faire le ménage parce que moi, j'aurais pas à le faire ce week-end. Donc je serai tranquille ce week-end. Donc on va faire le ménage aujourd'hui. Ensuite, cet après-midi, je vais faire un petit make-up pour pouvoir aller faire des photos dehors normalement avec Coco. Donc c'est le retour de la Coco nationale. Franchement, ça fait 2 mois que je suis rentrée en Martinique. Et j'ai jamais vu Coco depuis que je suis rentrée, je suis deg. Ça fait tellement longtemps, mais en fait, on a changé en fait nos trains de vie et tout. On a changé nos activités, donc du coup, c'est difficile de se voir. Mais là, je vois Coco ce soir, donc enfin cet après-midi, donc je suis trop contente. Et du coup, voilà. Mais sinon, ce matin, ouais, c'est ménage. J'ai des machines à faire. Faut que je fasse tout le ménage de l'appart et tout. Et ensuite, cet après-midi, je vais faire des photos. Et puis ce soir, on va prendre un petit bain, on va chill, on va se détendre. Donc voilà, un petit vlog cozy, un petit day in my life, rest at home. C'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas de... Thank you.
guys, voilà, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, j'ai quasiment fini le ménage. Là, j'ai la machine qui tourne toujours, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Là, il est 15h et quelques, je vais aller me préparer pour rejoindre Coco en ville pour faire des photos. Enfin, en ville, pas très loin de chez moi. J'ai 3 looks à shooter, donc je vais vous emmener avec moi, on va faire ça ensemble. Par contre, en fait, il fait tellement froid, je sais pas combien de degrés il fait. Il fait 19 degrés. Il fait 19 degrés. Il fait super froid. Et le truc, c'est que chez moi, en fait, mon appartement, comme il est mal isolé, du coup, il garde énormément les températures. Donc, quand il faisait chaud, vous vous souvenez, cet été, je vous avais dit, on crevait la chaleur. Il faisait super chaud. Mais vous voyez, quand il fait froid, quand c'est l'hiver, il fait super froid. Et ils ont mis 2 chauffages chez moi. Ils savent bien pourquoi ils ont mis 2 chauffages. Moi, j'utilise pas les chauffages parce que ils fonctionnent, ils sont super puissants en fait. Donc on m'avait déjà dit quand j'ai fait mon état des lieux dans mon appart de genre utiliser le chauffage mais de l'éteindre très vite parce qu'il chauffe très vite tout l'appartement. Et en plus de ça, il consomme énormément les chauffages. Donc du coup voilà, je vais essayer de pas trop les mettre. Quand je suis arrivée en février, je me suis forcée à pas les mettre et tout. J'achetais des trucs, tu vois, des gros pulls, des plaids et tout. Je préférais me couvrir et tout. Et là, en fait, il fait tellement froid alors qu'on est juste en novembre maintenant. Je trouve que pour un mois de novembre, en fait, il fait très froid. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais tenir sans allumer les chauffages parce que j'ai pas envie de payer plus d'électricité que ça. Surtout que là, j'ai reçu la facture de fin d'année et j'ai grave fait des économies d'électricité. Du coup, EDF, ils m'ont remboursé. J'étais tellement fière de moi, sachant que je prends des bains, donc j'utilise énormément d'eau chaude, surtout en hiver. Mais là, ça va, tu vois. Mais bon, là, je vais passer un hiver complet dans mon appart. Enfin, le premier hiver complet puisque je suis arrivée en février. Donc là, c'est le premier hiver complet et il fait trop froid. Donc bon, croisez les doigts pour que je puisse tenir parce que là, ça ne va pas. Bref, je vais aller me préparer, me make-up. Et je vais vous montrer aussi ma première tenue. J'ai trop hâte de vous montrer. Mais je vais vous montrer ma première tenue avec laquelle je vais shooter. Et du coup, voilà, c'est parti. Bon, on est ready, n'est-ce pas? Coco m'a prêté sa veste. Coco est là, mais je pense pas qu'elle voudra que je la filme comme d'habitude. Donc, on est parti. Alors, attendez, parce que je sais pas si vous allez bien voir. On va baisser un peu la luminosité. Voilà. Donc, on est parti sur une combi en jean. Bon, de toute façon, vous verrez les photos. Avec mon petit sac non, que j'avais chopé sur Temu. De toute façon, je vous l'ai montré dans le hall. La veste de Coco. Parce que sa veste est meilleure que la mienne, d'accord. Et puis, ben, le petit make-up de d'habitude. Hein. Le petit look de d'habitude avec les earrings et les bijoux comme ça. Et voilà, let's go pour le look numéro 1. Et puis, de toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer la suite des looks. Normalement, il y en a 3. J'espère que je vais pas avoir la flemme de shooter le troisième comme d'habitude. Mais en gros, voilà ce que ça donne avec les boots aussi. Voilà, let's go. Voilà. Bien Coco. Faut que tu voir un peu. Bon, attends, on fait les photos, je vais finir le tour pour te rappeler. Mais tu peux laisser la feuille, mais c'est l'automne. Ouais, mais prendre une feuille mieux, je sais pas. Ah ouais, aussi. T'as vu que j'ai enlevé mon piercing à la langue, je t'avais dit ça. Ah oui, non. Pourquoi? Parce que ça me saoulait. Ah. T'as pas refaire non plus? Non, du tout. Je pense que je suis plus classe et je suis moins vulgaire sans. Moins olé olé. Donc, ouais, moins olé. Ah, je suis déjà olé olé sans, alors si en plus de ça j'ai ça, flemme quoi. Puis même, j'en avais marre de me recevoir des réflexions et puis de parler à quelqu'un, la personne regarde que ce qu'il y a dans ma bouche, ça m'énerve en fait. Bref, tenue numéro 1, on a bouclé. On passe à la tenue numéro 2.
Bon, tenue numéro 2. Alors là, il y a un petit peu beaucoup d'informations quand même. On est parti sur l'ensemble marron de ma collab avec Lounge Underwear. De toute façon, je vous avais déjà montré sur Instagram. J'ai pull-up avec la petite veste beige du hall de Temu. Et j'ai rajouté comme accessoire la petite banane. Je vais essayer de la descendre un petit peu parce qu'elle est un peu trop haute. Mais du coup, j'ai pris comme ça que la petite banane pour un look un peu, tu vois, de tous les jours. Errands vibe, genre la street, tu connais. Et avec, j'ai mis mes petites baskets orange. Bon, là, vous verrez pas, mais de toute façon, je vous mettrai des incrustés écran des photos. Comme ça, vous verrez le rendu final des looks. Donc, c'est parti pour le shoot du look numéro 2. Voilà. Ça va faire tomber ma caméra, non? Ouais. Attends, elle est pochue. On voit pas mes pieds. Putain, ces histoires de cadrage là me fatiguent tellement, tu sais même pas. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà. Et bon, voilà. Ah. Coco aka la directrice artistique. Franchement, si c'était pas elle, il y a des idées, je les aurais pas eues. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. J'aime beaucoup. C'est bon, bien. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'étais un peu dubitative, mais franchement, il rend mieux planté. Hein. J'aime beaucoup. En plus, il m'arrive en bas des chevilles. Punaise, c'est trop bien. J'aime trop. Ouais. Bah, celui-là aussi est pas mal, franchement, je trouve que ça tombe trop bien. Et puis, finesse, les jeans de Jennifer m'arrivent en bas des chevilles, genre, à quelle heure? Ça ne m'est jamais arrivé, clairement. Mais là, j'aime trop. Franchement, ouais. On aime beaucoup, ouais. J'aime trop. En plus que ça, avec un body comme... Ah, franchement, ça tombe super, mais j'aime trop. Je suis choquée. Ça rend archi bien, genre il taille super bien les jeans et tout. C'est un peu serré au niveau de la taille, mais bon, ça c'est parce que j'ai grossi, donc c'est un peu normal. Mais j'aime beaucoup ce que ça rend. Et même l'effet déchet, il ne me gêne pas du tout. Franchement, j'aime trop. Bon, à voir, je vais regarder. Comme quoi, celui-là, il est un peu plus cher, mais il taille super mal. J'aime pas du tout. En plus, il m'arrive pas en bas des chevilles, donc moins 20. J'aime pas du tout comment il taille. Franchement, flop total. Et pourtant, c'est un moment. Mais je crois que je l'ai pris en 36 aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Il aurait fallu que j'essaye en 34. Mais comme il n'arrive pas en bas de mes chevilles, en fait, j'aime pas du tout. Donc, ouais, non. Je pense pas. En plus, il coûte un peu plus cher. Flemme. Ouais, non. On valide pas. Guys, so on est le lendemain. Du coup, là je suis sortie du taf. À la base, j'ai accompagné une amie au centre commercial parce qu'en fait elle devait s'acheter une doudoune vu que ça fait pas longtemps qu'elle y est arrivée. Au final, je me retrouve. Voilà. J'ai pas d'explication, j'ai pas envie d'expliquer non plus, d'accord? C'était absolument pas prévu que je fasse des achats. Mais bon, vous connaissez déjà votre go, d'accord? On va pas vous refaire le schéma, ok? Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Je vous ai déjà montré dans les slides précédentes les deux jeans que j'ai pris chez Jennifer. Du coup, les deux que j'ai kiffé, que je vous ai montré, en fait, je les ai pris. En plus, ils étaient à 15€. Acheter un jean à ce prix-là, clairement, c'est donné. On va pas se mentir sur toi, Jennifer, en plus. Enfin, Jennifer, ça va, parce que c'est l'un des magasins le moins cher, mais en vrai voilà. Voici le premier que je vous avais montré. C'est un jean un peu patte d'éléphant comme ça. C'est pour les jambes larges, en fait. C'est écrit wide leg.
Du coup, voilà, je l'ai pris en taille 34. Je crois que les deux, c'était en 34, je suis pas sûre. Mais en tout cas, le premier que je vous ai montré, il était en 34. Et le deuxième, du coup, que j'ai pris, que je vous ai montré dans la cabine, pareil, il était à 15 euros. Par contre, celui-là, je l'ai pris en 36. C'est un jean flare, donc en fait, il est un peu plus évasé, en fait. Enfin, un peu plus resserré, et il est toujours aux pattes d'éléphant. Du coup, voilà, franchement, j'ai kiffé. De toute façon, je vous ai montré dans les slides précédentes. J'ai kiffé ces jeans. C'est très rare que j'aime des jeans chez Jennifer, parce qu'en général, chez Jennifer, c'est des jeggings, c'est des jeans très slim, très serrés. Et moi, je mets plus du tout ce genre de jeans, parce que je suis pas confortable, je suis pas à l'aise. Je mets soit des pattes d'éléphant, soit des jeans mom, en fait, des jeans vraiment évasés pour que je puisse être le plus à l'aise possible, parce que franchement les jeans slim là, c'est, je peux plus, à part des leggings, je mets rien qui me colle à la peau parce que c'est super désagréable. Du coup, j'ai vraiment flashé sur ces deux jeans et j'ai eu les deux du coup pour 30 euros environ. Ensuite, toujours chez Jennifer, j'ai pris cette petite robe que j'ai pas essayée, mais en fait elle est déjà super slim et c'est du S. Elle coûtait 9,99€, donc 10€, je l'ai chopée en promo. Une petite robe beige comme ça. Ça fait toujours une robe en plus pour tous les jours. Ça sera pas une robe pour sortir, je pense que ce sera une robe pour tous les jours. Parce que la plupart des robes que j'ai, ben, c'est pour sortir. C'est pas des robes qui font très robe de tous les jours. Et là, pour le coup, elle est dans une matière côtelée comme ça. Et elle tient super chaud. Donc je me suis dit, pourquoi pas, why not, hein, puisque je mets des jupes, je mets des robes en période hivernale, donc je me suis dit, pourquoi pas la prendre, en plus elle était en promo, donc bon, joint l'utile à l'agréable, tu connais. Voilà, ensuite, chez Cool & Beer, du coup, j'ai pris un pull noir, il était en promo pareil à 9,99€, donc 10€. C'est un basique, hein. Franchement là je prends que des basiques parce qu'en fait j'ai donné tellement de vêtements et je sais pas si je vous avais, je crois pas, hein. Je crois pas vous avoir montré peut-être, je sais que je l'avais montré sur Instagram parce que c'était concernant le séisme du Maroc, donc du coup pour faire l'incitation au don, je vous avais montré tout ce que j'avais donné en fait à la Croix-Rouge pour le Maroc. Et en fait depuis je refais au fur et à mesure mon dressing et je continue de trier pour donner mes vêtements à la Croix-Rouge, et du coup je me retrouve sans basique. En fait je me suis rendu compte que j'en avais déjà pas, mais là du coup j'en ai encore moins, donc j'ai pris un petit pull noir comme ça. Alors il est pas crop top, mais j'aime bien le fait qu'il soit resserré juste en de la taille, parce que du coup ça fait pas trop pull évasé, tu vois, genre tu peux facilement le rentrer dans un jean, il sera pas, enfin il va pas déborder dans le jean, on verra pas les traces et tout, parce que j'aime pas trop quand ça fait ça. Et du coup voilà, c'est un petit pull simple que j'ai pris en taille XS du coup, puisque il est déjà bien oversize, je sais pas si, ouais vous allez voir, ouais comme vous voyez il est déjà bien oversize et pourtant c'est du XS, donc je me demande est-ce que j'aurais pas dû prendre du 2XS pour qu'il soit un peu moins oversize, mais bon en tout cas il fera l'affaire quoi, c'est un pull pour aller au taf, un pull de tous les jours, donc voilà. Et ensuite j'ai pris, ben pareil, un top que j'ai pris en taille XS, il était pareil à 9,99€ chez Pull & Bear. C'est les petits tops manches longues bien resserrés, côtelés, voilà il est côtelé comme ça, que je mets de chez Pull & Bear. J'aime bien ces pulls, enfin j'en ai deux chez Pull & Bear, j'en ai deux chez Bershka aussi, et je crois que j'en ai un. Ouais non, les trois que j'ai, c'est Bershka en fait. Hein. Ouais, et celui-là, je l'ai trouvé à Pull & Bear. Il est un peu moins opaque, moins couvrant, j'ai envie de dire, que ceux de Bershka. Il est un peu plus léger en fait. Mais c'est la même gamme, tu vois. C'est le style de pull que je mets, enfin de haut à manches longues que je mets pour aller au travail. Voilà, et celui-là, j'aime bien parce qu'il arrivera juste compte en bas de mon ventre. Parce que c'est vrai que ceux de Bershka, ils sont un peu plus courts, ils remontent un peu plus. Ils sont pas crop top, mais ils vont pas jusqu'en bas du ventre. Et du coup, ça fait que ben, quand je mets un jean taille basse, en général, on voit le bas de mon ventre, quoi. Et c'est super moche. Donc du coup, voilà. Ça c'est pour mes petits achats vêtements. Sinon j'ai acheté un lot de piercings chez Lovisa aussi, mais bon ça c'est pas très intéressant, c'est des piercings simples. Donc voilà pour mes petits achats du jour, c'était absolument pas prévu, vraiment. Et c'était absolument pas prévu, à la base j'ai accompagné ma pote pour acheter sa doudoune. Au final elle repart avec sa doudoune et moi je repars avec des choses que je n'avais absolument pas prévu d'acheter, bref. Ben voilà, donc c'est tout pour moi pour ce soir là, je vais faire à manger, je sais pas du tout ce que je vais faire à manger, je vais éteindre la ring quand même, j'ai rangé les vêtements tout à l'heure parce que franchement là j'ai la flemme, on va pas se mentir, j'ai très la flemme, je sais pas ce que je vais faire, en plus j'avais oublié de décongeler les viandes, donc là tout est congelé, faut que j'attende que ça se décongèle, oula.
Ouais. Bon, du coup, voilà, ouais. Je vais me poser un peu. Je vais me poser un peu. Et ensuite, je vais faire à manger. Hello tout le monde. Alors, on est le lendemain. Désolée pour la noirceur. Je pense que je vais modifier au montage. Parce que là, il fait super sombre. Parce qu'en fait, il pleut. Étant donné qu'il y a une tempête ces temps-ci qui passe en France. Donc du coup voilà, il pleut et il fait 10 degrés, il fait tellement froid, mais genre horrible. Hier soir, j'avais du mal à rentrer dans mon lit parce que le lit, il était glacé, genre. Ça y est, on est dans la période où tout est glacé, le canapé est glacé, même le plaid, il est glacé. En fait, c'est ta chaleur corporelle qui va venir réchauffer les trucs, c'est un truc de ouf. Bref, donc aujourd'hui, on est samedi. Aujourd'hui, c'est petite journée maintenance. Voilà, self-care, baby. Because I think I deserve it, okay? J'ai passé un mois très hard, très compliqué, très dur mentalement. J'ai dû m'armer d'énormément de patience pour ma transition entre ben, ma fin d'études, on va dire, et le début de mon contrat de travail. Du coup, c'était un peu compliqué à gérer mentalement. J'ai dû habituer mon corps déjà à aller au travail tous les jours, à voir du monde tous les jours. Donc, par rapport à mon anxiété, on va pas se mentir, ça a été une vraie épreuve. Mais je suis très fière de moi. Je suis très très fière de moi. J'ai pas loupé un jour de travail. Franchement, je suis super contente et super reconnaissante d'avoir réussi à faire ça. Parce que franchement, pour moi, c'est une victoire. Vous vous rendez pas compte comment on passe de quelqu'un qui était casanier qui... Je suis restée chez moi littéralement pendant un an. Parce que en plus de ça, quand j'étais en alternance, mon alternance, elle était à distance. Donc en fait, je sortais pas de chez moi. Et je sortais de chez moi uniquement le week-end ou pour faire les courses et tout. J'avais vraiment une très mauvaise routine et une très mauvaise hygiène de vie. Et le seul truc qui me tenait, c'est le sport. Voilà, et là, j'ai une vraie routine. J'ai de vrais objectifs. J'ai de vrais trucs, les choses se mettent en place au niveau de mes business aussi, donc franchement je suis trop contente et je suis très fière de moi pour ce mois-ci. Franchement, je suis super contente. Du coup voilà, aujourd'hui c'est une petite journée où je vais me récompenser de tout. Bon, j'ai déjà commencé hier avec le shopping que j'ai fait, que je vous ai montré, mais on va continuer aujourd'hui. Donc je repars avec ma pote cette fois-ci à Odysseum, au centre commercial, pour pouvoir faire des achats. Je vais voir un peu ce que je trouve en termes de make-up, parce que du coup je voulais prendre un fond de teint un peu plus foncé, puisque là du coup le fond de teint Fenty que j'utilise, il est un peu trop clair, et étant donné que j'ai pas encore perdu totalement mon bronzage, ben, en fait ça fait un peu clair au niveau du make-up. Mais je pense que je dois prendre peut-être une teinte en dessous, enfin une teinte au-dessus du coup. Non, en dessous. Ouais, en dessous. On est parti pour aujourd'hui. Et à 14h, j'ai mon rendez-vous pour faire mes ongles. Parce que là, clairement, it's a messy. Let's see. D'accord. Les repousses sont infernales. Mais ce sont mes ongles naturels. Hein. Voilà. Donc là, ce sont mes ongles. Et je suis très contente d'avoir pu sauver mes ongles de la catastrophe du dernier vlog, n'est-ce pas? Du coup, ben, entre-temps, ils étaient en pleine forme parce que je les ai blindés d'huile à cuticule pendant tout le mois. Et du coup, ils ont bien poussé, ils ont poussé archi vite. Je suis trop contente de ma longueur d'ongles. J'ai enfin réussi à faire des poses sur mes ongles naturels avec ma longueur naturelle. Et là, je peux utiliser mes ongles naturels, donc il n'y a plus besoin de faire d'extension, plus besoin de... Voilà, là, je suis partie là pour le faire avec mes ongles. Donc, on va partir à 14h pour ça, juste après le centre commercial. Et ensuite, à 16h, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Bon, il va un peu m'engueuler parce que j'ai mis la masse de gel pour pouvoir me coiffer, mais bon, il va s'en occuper de toute façon. Et du coup voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi toute la journée. J'espère que la caméra va rentrer dans mon sac, parce que du coup j'ai pris mon petit sac noir parce que c'est le seul qui allait avec mon outfit. Là franchement, je me suis pas cassé la tête aujourd'hui. J'ai pull up un pull vert. Alors il est un peu vert, en fait il est vert émeraude, mais à la caméra ça ressort vert sapin. Bref, donc du coup voilà, j'ai pull up ce pull avec un jean. Oula. Voilà, avec un jean slim comme ça. Voilà, d'ailleurs c'est le seul jean slim que je tolère encore, parce que c'est mon jean préféré. Un jean troué, celui-là il me venait de chez Fashion Nova, mais je crois que c'était ma tante qui me l'avait donné, que il lui allait pas. Donc du coup voilà, mais je sais qu'il vient de Fashion Nova. Du coup j'ai pull up mon pull avec ça, avec mon petit sac noir, et je pense que je vais mettre mes bottes, parce que vu comment il pleut, j'ai vraiment la flemme en fait de la pluie là. Franchement, c'est une catastrophe. On est parti aujourd'hui. Donc let's go. Je vais pull up ma doudoune aussi, puisque là franchement, sortez les doudounes là. Autant mi-octobre, on n'avait pas de froid et tout. Il faisait archi chaud et tout. Le froid commence à arriver super tard, mais là ça nous défonce clairement.
D'ailleurs, ma gourde, je l'aime trop. Je vous l'avais montré dans le vlog précédent. La gourde graduée comme ça, où tu peux boire de l'eau tout au long de la journée. C'est une gourde de 1 litre que je remplis une fois par jour. Du coup, pour boire 2 litres. C'est génial. Ça, c'est ma gourde pour aller au travail. Elle est incroyable. Franchement, j'aime trop. Je l'ai eu à 10 euros et ça m'aide vraiment à boire de l'eau. C'est-à-dire que la gourde, elle est posée sur mon bureau et à chaque heure, je bois un palier d'eau. Franchement, c'est trop pratique. Alors, je savais que les gadgets comme ça, c'est vraiment un attrape-touriste, quoi, limite. C'est vraiment des gadgets des réseaux. Mais en fait, en tout cas, pour moi, ça fonctionne super bien. Donc, franchement, voilà. Bref, assez blablaté. On est parti. Je trouve que ça fait vraiment fake. Un peu. À ce point. C'est horrible. Oh, j'aime pas. En fait, c'est pas assez serré au niveau de. Je sais pas. Je me dis... Après le pantalon, je pourrais pas mettre ça non plus. Oui, non, mais oui, forcément. Je pense qu'il y a mieux comme du. Vraiment. Bon, on va passer. Dommage, on jette Mims. Oh, ça y est, on va bien mettre ton téléphone, ça. Ouais. Je c'est filme tout, je filme, hein. Oui, je sais, Raphaël, t'inquiète. Elle est bien. Oui, j'aime bien. T'aimes quoi? Oui, j'aime. Oui. Ah ouais. À 35 euros, franchement. Ouais, mais celle-là, elle est bien aussi. Tu veux acheter une seule? Ça va pas ou quoi? Je vais pas en acheter deux en plus. Je sais pas. En plus, elle est beige et tout. J'ai pas de beige comme ça. Tu peux m'aider aussi, non? Mais t'as, en vrai, t'as déjà une doudoune à capuche. Ouais, mais attends, regardez-moi, s'il te plaît. La machine à laver a complètement détruit le truc. Ça ne va pas. T'aurais pris laquelle, toi? Pour la capuche, j'aurais pris celle-là. C'est ce que je me dis. Après, si t'as une folie, je prends les deux. Vraiment, c'est une folie. Ouais, mais c'est des doudounes. Je peux pas prendre les deux. Ben, d'où les deux, une doudoune comme ça? Ça dépend de comment t'es habillée. Mais t'aimes vraiment bien celle-là? Moi, les manches me posent un peu de problème, pas. À moins si tu les retrouves comme ça, mais... Parce que tu sais, comme ça, c'est un peu moche. Oui. Tu pourras aller dormir, ça. Mais si je commence à mettre... C'est lui la tapis? Oui, le rose quartz. Il sent trop bon. Il sent très très bon. Mais attends, oh wow. Mm-hmm. À 9 euros. Oui. C'est pas tes boucles d'oreilles, ça? Elles sont très belles aussi, celles-là. À combien? 9 euros. Pareil, celles-là, elles sont pas mal. J'ai envie de les prendre. Ah, il parle le dernier. Ouais. Toi, tu veux trop me faire acheter. Mais elles sont très belles. Je prends ou pas? T'aurais pris toi? Mais en fait, le plus important là, c'est le parfum. Parce que j'ai pas de parfum. Tu me dis? Laisse-moi. Mais celui-là, il sent vraiment bon. Hein. En plus, c'est quartz, c'est du quartz. C'est-à-dire que c'est le parfum de l'amour. J'ai besoin de ça là. Non, celui-là. Celui-là, t'as dit que ça sentait quoi? Pour aller dormir. Soit c'est lui, soit c'est le jeune. Oui, c'est lui. Non, celui-là, ça sent le soleil. Ça sent le monoï, je sais pas, ça sent le retour des trois îlets. Je vais peut-être mettre une. Ah, celui-là, il sent bébé. Il sent la salle de bain. Les parfums qu'on voit dans les hôtels. Ils sont très très bons, ouais. Ça, c'est différent du coup. Mmh, il sent bon, ça. Ça sent maman. Mmh. Bon, je retiens celui-là et celui-là. On va aller à Zara, on verra. Mais il y a celui-là aussi.
Oh là là. Tu vois, c'est ça mon problème. Prochaine étape, parce que sinon... Elle dit... Tu dis ça comme moi, tu m'as déjà fait dépenser pour tout le week-end. Je vais même pas montrer ta tête parce que bref. Je l'accompagne à Ikea encore une fois acheter sa couette. Pourquoi je repars avec des trucs dans mes mains? C'est trop, en fait, c'est trop. Là, je suis fatiguée. Il faut arrêter de me faire dépenser de l'argent, d'accord? Regardez le Saint-Jean. Bon, guys, je suis rentrée à la maison. Je vais faire la lumière parce qu'en fait, il fait trop sombre. Donc, je suis rentrée à la maison. Franchement, je vous ai pas trop filmé la pause parce qu'en fait, j'étais tellement pressée. À la base, je devais avoir mon rendez-vous chez le coiffeur à 16h. Il était 16h10 et la prothésiste n'avait toujours pas fini sur mes doigts, en fait. Donc, j'étais un peu en panique. Finalement, mon coiffeur a pu m'arranger et me repousser le rendez-vous à 17h45. Donc, bon, sachant que je suis à 15 minutes à pied, donc ça va, il est déjà 17h, donc c'est tranquille. Du coup, je suis rentrée, je vais prendre un goûter, me poser 2 minutes et repartir après. Je vous montre mes ongles. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Si je suis partie sur cette pose là, attendez, je sais pas si vous allez voir, parce que avec mes doigts crochus là, voilà, donc c'est un marron bordeaux, pas exactement marron, mais c'est pas exactement bordeaux non plus. En fait, c'est vraiment un entre-deux. Et j'aime beaucoup, ça fait très automnal. En plus, mes ongles, ils sont magnifiques. Franchement, j'aime trop. J'aime trop. Je sais pas si où est là, vous voyez bien là. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Elle dead ça. Bon, ça coûte un peu cher, je vais pas mentir, parce qu'en plus, c'est en institut. Mais voilà quoi. Donc, j'aime beaucoup. Je suis très satisfaite. Pour le coup, je pense pas que je vais changer ni d'institut ni de prothésiste, parce que celle qui me fait les ongles, franchement, elle dead. Et du coup, voilà, j'aime trop, je trouve que ça fait femme fatale et tout. J'ai hâte de mettre mon petit bijou gold et tout. Bref, franchement, ça sera carré. Je vais vous montrer en rapide ce que j'ai acheté. C'était pas du tout prévu, mais bon, vous connaissez déjà votre go, hein. Je peux pas, en fait, accompagner quelqu'un faire les boutiques et repartir les deux mains ballantes. J'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Bref, ça me fatigue d'être comme ça. Franchement, ça m'énerve. Écoutez, on fait comme on peut. J'ai pas bu une goutte d'eau aujourd'hui et en plus, vu qu'il fait froid, c'est la galère. Il faut que je fasse ma vaisselle, par contre, quand je rentre, parce que ça va pas aller du tout. Je vais pas regarder. Bref, du coup, je suis passée chez NYX. Enfin, je dis je. On est passé chez NYX. Et du coup, à la base, je suis allée accompagner ma pote pour qu'elle puisse acheter sa couette. Donc, elle a acheté sa couette chez Ikea. Bien évidemment, je suis repartie aussi avec une couette. Donc, vous inquiétez pas, hein, je l'ai prise parce que j'en avais déjà besoin. Pour ceux qui ont suivi les vlogs déménagement, les vlogs déménagement et emménagement dans cet appartement, je vous avais montré la couette que j'avais achetée de base sur la Redoute. J'avais commandé une couette sur la Redoute, sauf qu'en fait c'était pas les bonnes dimensions. Du coup la couette elle est trop petite et en fait ça fait un moment que j'utilise une couette qui est trop petite. Donc non seulement je peux pas faire mon lit, mais en plus de ça elle me recouvre pas convenablement et je suis obligée d'être en boule dedans, donc de me mettre comme un fœtus dans la couette parce que la couette elle est trop petite en fait. Donc après ça m'a pas posé problème puisque je suis arrivée dans cet appart en février, donc il restait pas beaucoup de temps avant l'été, donc je savais que j'allais remettre des couvertures et tout puisque j'utilise pas de couette en été. Pour le coup, je savais qu'il fallait que je rachète une couette cet hiver, mais bon, j'y avais pas forcément pensé. Et en fait là j'ai trouvé que c'était l'occasion, surtout que les couettes n'étaient vraiment pas chères chez Ikea. J'ai acheté ma couette là. Donc c'est une couette chauffante, il y a un petit thermomètre pour vous montrer. C'est du 240 par 200, sachant que mon lit c'est du 160 par 200, donc je pourrais enfin faire mon lit, n'est-ce pas? Et du coup, je l'ai eu pour 24,99€. Et dites-vous, la même en 150 par 200, elle était à 14,99€. Je sais pas pourquoi cette gamme de couettes-là ne coûtait pas cher. Pour autant, ce sont des couettes chaudes. Hein. Je précise, ce sont des couettes chaudes. Ce sont pas du tout des couettes légères. Et j'ai réussi à les avoir pour pas cher, en fait. J'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Je garde ma doudoune. Je suis désolée. Je sais que ça se fait pas. Enfin, je dis ça, mais je suis chez moi. Donc, je fais un peu ce que je veux. Et c'est soit ça, soit j'allume le chauffage. Et j'ai pas envie d'allumer le chauffage. Je remets du baume à lèvres parce que c'est un peu la misère. Du coup, donc j'ai pris la couette chez Ikea. J'ai pris deux petites ampoules pour mon miroir que je vais d'ailleurs installer. J'espère vraiment que ce sont les bonnes ampoules parce que j'ai vu des ampoules pas chères. J'ai acheté comme si Ikea c'est à ma mère. Bref. Attendez, on va installer ça ensemble. Après, ça reste des ampoules, tu vois. Donc ça pourra toujours me servir, tu me diras. Mais bon. Moi, j'ai l'arène à manière d'acheter des trucs
Et je sais pas si ce que j'ai acheté est bien. Et en fait, ça va là. Mais ça sera pas trop petit. Oh non. Ah, c'est les bonnes tailles. Je suis choquée. Attends. Là, peut-être que vous allez voir un peu mieux. C'est les bonnes tailles. T'as vu? Oh, je suis choquée. En plus, à Ikea, il n'y a que deux tailles d'ampoules. Il y a les petites comme ça. Et il y a les mêmes, mais en un peu plus grosses. Et à la base, j'avais pris les grosses. Et du coup, j'hésitais. Et ma pote, elle m'a dit, oui, mais si c'est pour ton miroir, ça risque d'être trop gros. De prendre les petites. Et en fait, j'ai bien fait parce qu'au final, elles rentrent. Elles se vissent. Et du coup, ça rentre et tout. Ah, je suis choquée. Du coup, là, en fait, comme j'ai des LED sur ça, tu vois. Ah, je suis choquée. Mais en fait, celui-là, il fonctionne pas. C'est ça, en fait. Ah, si, ça fait... Mais je suis choquée. Attendez. Genre, là, depuis le mois de février, je suis dans cet appartement. J'ai littéralement pris 10 mois pour racheter 2 ampoules. Non mais attendez, je suis choquée. Du coup, je vais baisser les ISO pour que vous puissiez voir parce que ça éclaire un peu. Mais je suis choquée. Je pourrais enfin faire des photos dans mon miroir avec un éclairage digne de ce nom. Puisque du coup, l'interrupteur, il est là. Non mais s'il vous plaît, je suis choquée. Par contre, ce miroir est toujours aussi sale. J'ai beau le nettoyer, il sera toujours sale. Je sais pas comment j'arrive, en fait, comment je me démerde pour salir le miroir tous les jours. Mais voilà, mais je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée et je suis très contente. Je suis choquée. Non, franchement, vous allez vous dire, mais peut-être, elle abuse peut-être un peu. Mais les gars, en vrai, je suis choquée parce que c'est un truc que je repousse depuis des lustres. Et en fait, l'éclairage de ma salle de bain normale, il n'était pas suffisant. Il fallait absolument que je rachète les éclairages de ça pour ajouter une lumière supplémentaire, en fait. Puisque ben, j'ai la chance d'avoir un miroir éclairé. Ça serait bête de ne pas l'utiliser, surtout qu'il est grand. Et au final, ben, genre, ça m'a littéralement pris 2 secondes, en fait. Je suis choquée. Je suis choquée. Je suis choquée. Bref. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. C'est vraiment un truc que je repousse depuis un... depuis un moment. Bref, au moins je sais que là, ben, je saurai où acheter mes ampoules en fait. Hein. Ikea, c'est vraiment la base. Donc ensuite, à la base, c'est ce que j'avais acheté. Attendez, parce que là, vous n'êtes pas très très bien cadré. Du coup, ensuite, chez Ikea, j'ai repris des couverts. Alors, j'ai repris un set de couverts. Parce qu'en fait, mes couverts, je sais pas si vous allez voir, à la base, je les avais achetés. Il y avait des petits motifs dessus. Ils sont marrons comme ça. Et je les avais achetés chez B&M. Et en fait, ils sont de très mauvaise qualité. Le calcaire, en fait, c'est du truc fin, tu vois. Ils s'abîment très vite. J'ai des couteaux qui sont cassés et tout. Enfin, c'était pas du tout de bonne qualité. J'ai pas aimé du tout. Et du coup, j'avais déjà dit qu'il fallait que je rachète des couverts parce que ben, ils sont tous en train de s'abîmer. Et du coup, c'est pas bon. Donc, j'ai voulu faire la maline à acheter des couverts un peu stylisés et tout. Parce que bon, j'étais dans mon temps. Ne faites pas ça. Achetez des couverts en argent simple. Ça va vous éviter de vous retrouver bête comme moi, devoir racheter des couverts moins d'un an après. D'accord? Du coup, j'ai pris un petit lot de couverts comme ça. Ils sont simples. Voilà. Alors après, je rachète souvent des couteaux coupants aussi chez Ikea. Attendez, je sais pas si vous allez voir parce qu'on voit ma tête. Voilà, donc les petits couteaux sont comme ça. Et attendez. Voilà, donc les petites cuillères, elles sont comme ça. C'est des trucs simples, mais franchement, c'est stylisé, mais c'est bien fait quand même. Voilà, donc j'en ai... 4 de chaque. Voilà. Je crois que c'est ce que j'avais aussi pour le... Non, j'en avais 6 de chaque pour l'autre. L'autre set. Mais ça, c'est bien aussi. Bon, après, ça me fera encore moins de vaisselle. Et ça va m'obliger à faire la vaisselle un peu plus souvent. Ce qui ne m'arrange pas du tout. Mais enfin, vous me direz. Voilà quoi. Ensuite, pour passer chez NYX, du coup... alors chez NYX, j'ai fait des petits achats vraiment utiles. Parce que c'est des trucs que j'avais plus et dont j'avais besoin en termes de vaisselle. Donc j'ai racheté mon rouge à lèvres de mon combo lèvres pour ceux qui ont suivi ma routine make-up ou ceux qui ont vu mon dernier chit-chat je crois. Vous avez vu que je fais des contours de lèvres en marron foncé et après il y a un lipstick que je mets au centre. En beige clair. Alors à la base c'est pas exactement celui-là que j'ai, c'est un autre qui est un peu plus beige, mais du coup j'ai voulu tester celui-là et ma copine m'a dit ben pourquoi pas tester celui-là. Voilà, il est un peu plus beige mais avec des sous-tons un peu plus rosés en fait. C'est pas exactement du beige
jaunâtre quoi. J'ai pris un fond de teint. Alors à la base, je voulais prendre le fluide teinté de chez Fenty. J'ai besoin d'un fond de teint en fait de tous les jours. Tu sais, un peu comme une bébé crème. Un truc que tu peux appliquer facilement et rapidement tous les jours. Pour pouvoir avoir une gueule présentable en fait pour aller au travail. Parce que ça m'énerve des fois de... Même quand je suis mal... quand je suis pas habillée, quand j'ai pas envie de m'habiller ou quoi. Mais au moins que j'ai une gueule potable, tu vois. Parce que sinon ça me met de mauvaise humeur et c'est vraiment très désagréable. Et en fait j'ai trouvé ce fond de teint. C'est le Bare With Blur de chez NYX. Du coup, je pense que c'est un dupe. Je pense que c'est un dupe du... j'ai oublié le nom du produit, tu vois. Il y a 2 secondes, je l'ai dit, je sais plus. Bref, mais en tout cas, voilà, je l'ai pris en teinte Rich. Parce que du coup, je voulais justement prendre un fond de teint qui soit un peu plus à ma teinte aussi. Voilà, parce que le fond de teint Fenty que j'ai, il est bien, mais il est trop clair du coup. Et comme c'est ma teinte d'hiver et que là, du coup, ben, j'ai pas encore perdu de teinte, j'avais besoin d'un truc à ma teinte, quoi. Ensuite, j'ai repris de l'anti-cerne, mais j'ai repris cet anti-cerne du coup de chez NYX vraiment pour corriger les cernes. Parce que j'ai toujours mon anti-cerne de chez Too Faced, mais en fait, il est trop clair. Comme vous avez vu, il est... Enfin, il est pas trop clair, mais il est clair. Et en fait, c'est ma teinte claire, mais du coup, je préfère la rajouter comme deuxième couche d'anti-cerne. Au lieu d'en mettre 2 couches du trop clair, du coup, j'ai pris un anti-cerne à ma teinte pour pouvoir corriger mes cernes avec ma teinte. Comme ça, donc c'est celui-ci. Alors attendez, voilà, c'est celui-ci. Et du coup, je l'ai pris en teinte Mocha, c'est la CSWSC19. Voilà, bon, c'est la teinte 19 en Mocha. Et du coup, c'est ma teinte de concealer en fait. C'est vraiment ma teinte idéale de concealer qui sera approximativement ou un peu plus claire de ma teinte de fond de teint. Et du coup, je l'ai prise pour corriger mes cernes dans un premier temps. Et ensuite, je vais venir rajouter le Too Faced qui est quelques ton plus clair pour pouvoir illuminer et rajouter un effet un peu plus fixant et un peu plus couvrant à l'anti-cerne quoi. J'ai pris un crayon à lèvres marron, voilà, le crayon marron pour faire mes combos parce que j'en ai marre de faire mes combos avec ma pâte à sourcils. Je l'ai pris en teinte expresso, c'est le plus foncé hein, des crayons à lèvres de chez NYX. Ensuite chez Sephora, je suis passée chez Sephora et j'ai repris une poudre libre. Comme ça, voilà, donc c'est une poudre compacte, c'est de la gamme Sephora. Hein. C'est vrai que j'ai jamais testé le make-up de la gamme Sephora. En général, quand je vais chez Sephora, c'est pour acheter les autres marques, en fait, enfin les marques de make-up, quoi. Là, j'avais bien envie de tester la gamme Sephora parce que, du coup, ma poudre NYX, je vous ai montré dans le dernier chit-chat make-up, j'en ai plus. Et du coup, j'avais pas envie de racheter la NYX, je voulais changer. Donc en fait j'ai essayé une autre poudre et surtout je voulais prendre une poudre à ma teinte actuelle parce que du coup pareil la NYX elle était bien mais elle était peut-être une ou deux teintes trop claires. Du coup, j'ai pris celle-là de chez Sephora, comme ça. Je sais que c'est ma teinte, c'est ma poudre compacte, c'est ma poudre de finition. Et du coup, je l'ai prise en teinte 50, c'est la foncée deep. Voilà, donc en fait, on l'a testé, hein, c'est la teinte qui est... Et encore, elle est peut-être même un peu claire par rapport à moi. Donc du coup, voilà. Le dernier article que j'ai pris, c'est un gloss transparent parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas de gloss transparent. Et surtout que le seul gloss que j'ai, c'est le gloss de chez Sephora avec les paillettes. Donc des fois, quand j'ai envie de mettre du gloss sur mes combos lèvres et que j'ai pas forcément envie que ce soit pailleté, même mon combo lèvres classique, hein, le combo lèvres nude, j'ai pas forcément envie que ce soit pailleté. Et en fait, je suis obligée parce que si j'ai envie de mettre du gloss, c'est le seul gloss que j'ai, quoi. Enfin, à un moment donné... les gloss transparents, c'est les gloss basiques, tu vois. Mais comme j'étais pas une godée gloss, moi je suis une godée lipstick, hein, donc franchement c'était compliqué hein, pour me mettre à la team gloss. Mais là pour le coup, quand j'ai envie de mettre du gloss, j'ai envie de mettre du gloss. C'est-à-dire que je pars avec le gloss dans mon sac. Donc franchement, voilà quoi. Et au final, ça me réussit bien parce que je commence de plus en plus à aimer les gloss. C'est le NYX, la gamme lingerie, voilà. La gamme lingerie de chez NYX, voilà. Et du coup, c'est le gloss transparent. Donc, voilà, c'est tout pour ma petite commande NYX. Enfin, je dis c'est tout, c'est déjà pas mal. mes petits achats du jour. Là, je vais prendre un goûter vite fait. Et ensuite, je vais décoller pour le coiffeur. Ah boy, je vais pas vous mentir. Je vais grave allumer le chauffage. Hein.
Je vais grave allumer le chauffage parce que là, si je laisse pas longtemps, mais voilà, là, je peux plus. Bref, alors, je vous ai pas filmé. Je vous ai pas filmé quand j'étais chez le coiffeur parce qu'en fait, je suis arrivée légèrement en retard et du coup, il avait pris un autre client avant moi. Et en fait, j'étais tellement essoufflée. En fait, je suis tellement fatiguée de ma journée que honnêtement, voilà. Mais bon, voilà le résultat. Grosso modo, puisque du coup la coupe n'est pas finie, quoi. Enfin, quand je dis la coupe n'est pas finie, oui, la coupe est finie, en gros voilà ce que ça donne. Mais je pense que je vais faire mon assouplissement en fait dans 2 jours, donc ouais, ce sera en cours de semaine en fait. Donc voilà, ça faisait longtemps, ça fait tellement bizarre de voir ma tête comme ça parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée chez le coiffeur. Depuis le mois d'août. Mais il faut dire aussi que la façon dont je me coiffais ne nécessitait pas que j'aille chez le coiffeur, genre obviously, tu vois. Du coup voilà, là je vais faire du rangement. J'ai commandé à manger pour me faire une petite soirée cocooning me, myself and I, because I think I deserve it, ok. Je pense que j'ai donné assez de energy cette journée, d'accord. Voilà, j'ai commandé à manger parce que là, faire à manger, il me paraît totalement impossible. Par contre, je pense que je vais assaisonner le poulet que j'ai sorti hier. Il faut vraiment que je range le bordel qu'il y a dans la cuisine, que vous ne voyez pas d'ailleurs. Hier, quand je vous ai fait le haul, bien évidemment, j'ai laissé le sac de vêtements sur le fauteuil. Donc en fait, je vais ranger tout ça. Je vais faire un peu de rangement en attendant ma commande de sushi. Puisque ce soir, c'est sushi date with me. And only myself, ok. Et du coup, voilà, j'ai très hâte. Là, je me sens refaite, là. Là, je me sens quelqu'un d'autre. Ok, les cheveux sont faits. Les ongles sont faits. Il manque que l'épilation, par contre, lundi. Parce que là, ça craint un peu. Mais on est bien. On est très bien, donc... voilà. Oh, 재원.